الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو العشرون من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس الحادي والعشرين من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 16 août 2014 et ceci est le 21e cours de l'étude de la biographie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم tiré du livre de l'imam ibn Kathir رحمه الله les chapitres dans la vie du messager. La semaine dernière, nous avons parlé de l'expédition militaire qui avait pour but de se venger des Banu Nadir, cette tribu juive qui vivait à Médine et qui a rusé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de le tuer. Et ceci après l'expédition ou la mission que l'on appelle Bi'ru Ma'una, le puits de Ma'una, mission dans laquelle les hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'il y a chez nous, ou plutôt mission dans laquelle un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a proposé l'islam comme religion. Cet homme n'a pas accepté sans pour autant s'opposer à la religion et se faire l'ennemi de celle-ci. Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il connaît un peuple qui peut-être va accepter cette religion. C'est alors qu'il a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les gens de la région du Najd, région de l'Arabie, où se trouve actuellement la ville de Riyad. Le prophète alayhi salatu wa sallam a donc décidé d'envoyer 70 hommes qui étaient tous des lecteurs de Coran, savants de l'islam, et qui avaient pour but de prêcher à l'islam. Quand ils sont arrivés à cet endroit, le puits de Ma'una, ils ont été trahis et ils ont été pris en guet-apens, puis ils ont été assassinés. Wal'iyadu billah. Et dans cette bataille, ou dans cette histoire, il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a tué des gens parmi les kuffars, mais qui avait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne devait donc pas les tuer. Et lui, ne connaissant pas l'existence de ce pacte, a tué ces gens en pensant qu'à travers cette exécution, il a vengé ses compagnons qui ont été tués, les 70 lecteur de Coran. Puis quand il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a expliqué qu'il y avait un pacte qui empêchait qu'il soit tué. Et à cause de cela, il devait payer le prix du sang. C'est une expiation pour cette erreur commise. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait à Médine, et dans cette ville il y avait des tribus juives qui eux aussi avaient des pactes, ou qui elles aussi avaient des pactes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels Banu Nadir. Il est allé voir cette tribu, puisqu'il y a des pactes entre eux, pour leur demander de l'aider à payer le prix du sang. Ils lui ont dit na'am, ils ne se sont pas opposés. Ils lui ont dit oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est assis au pied d'un mur en attendant que ces derniers viennent avec une part de l'argent à payer pour le prix du sang. En fait, ils se sont réunis entre eux et ils ont dit « Qui d'entre vous prend le gros rocher que voici et vient par-dessus le mur et le lance sur la tête de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de le tuer ?» Wal'iyadu billah. Et donc ici, on voit que ces gens-là sont connus pour la trahison depuis des décennies, depuis l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même avant. Ce sont des gens qui tuaient des prophètes
Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyait des prophètes et des messagers pour les honorer. Allah les avait favorisés aux autres peuples et eux répondaient aux bienfaits d'Allah en tuant les messagers qu'Allah leur envoyait pour leur guider. Et donc c'est ce qu'ils ont voulu faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah tabaraka wa ta'ala protège son prophète et s'est porté garant de sa protection. En effet, Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô toi le messager, transmets ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Fa in lam taf'al, et si tu ne le fais pas, fama ballaghta risalata, alors tu n'es pas considéré comme ayant transmis le message. Wallahu ya'simuka minan nas. Et Allah te protégera du mal des gens. Tu prêches à Allah, Allah tabaraka wa ta'ala s'occupe de te protéger. Allah azza wa jalla lui fait la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam immédiatement retourne à Médine, appelle ses compagnons radiyallahu anhum, leur explique la situation. Ses compagnons l'accompagnent vers cette tribu de Banu Nadir afin de se venger de cette trahison. Et quand ils sont arrivés, ils se sont tous enfermés chez eux, pleinement convaincus qu'ils allaient être les perdants de toute façon. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites de l'époque, est venu les voir et leur a dit: ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous, ne lâchez pas prise et ne répondez pas favorablement aux demandes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y a combat, assurément, on vous défendra. Allah Azza wa Jalla a révélé des versets pour démentir ces gens en disant qu'ils ont promis au prophète de combattre avec lui, mais que s'il y avait combat, en vérité, ils seraient les premiers à fuir. Et vous retrouvez ces versets dans Sourate Al-Hashr, l'Exode. Qu'est-ce qui s'est donc passé par la suite? Ils se sont réunis et ont discuté et ils se sont dit que de toute façon nous allons être perdants, ils prendront nos maisons et nos biens, alors autant que l'on détruise nos maisons de l'intérieur. C'est alors qu'ils se sont mis à détruire leurs propres habitations de l'intérieur et de l'extérieur les compagnons les détruisaient. Et c'est de ça qu'Allah parle dans cette sourate, l'Exode, Al-Hashr: yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Ils détruisaient leur maison de l'intérieur, ils détruisaient leur maison avec leurs propres mains et celles des croyants. Leurs propres mains de l'intérieur et celles des croyants par l'extérieur. Puis ils se sont mis d'accord avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit: quittez la ville de Médine et n'y habitez plus. Et vous avez le droit de prendre avec vous tout ce que vos chameaux pourront mettre sur leur dos. Et donc, à l'exception de leurs armes. Ils ont donc quitté leur maison en ramassant le maximum de leurs effets personnels, mais en laissant leurs armes et leur maison, et les compagnons ont pris tout cela. Et ils se sont éparpillés. Certains sont partis vers la région du Shem, et d'autres sont allés vers la ville de Khaybar, où les Juifs vivaient, et qui va être attaqué plus tard par les compagnons encore une fois, et qui va être vaincu, et qui va être un des plus grands butins que les musulmans ont gagné, comme vous allez le voir, inshallah ta'ala. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد فخرج في جماد الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد بن غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري فسار حتى بلغ نخلا وهو موضع بنجد من أرض غطفان فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير
وهذا مشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قالوا وإنما نزل صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بها الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. ابن كثير رحمه الله تعالى va maintenant parler de l'expédition dite ذات الركع. Elle est également appelée l'expédition du Najd. Et le Najd, c'est la région où se trouve actuellement la ville de Riyad et d'autres villes qui sont à ses alentours. Cette expédition a des causes, comme toute autre expédition. Certains ont cité parmi les savants plusieurs causes. La première, المؤرخون وعلماء السير ذكروا لهذه الغزوة أسبابا واختلفوا على أقوال منها parmi ces paroles. La première parole أي اختلفوا لماذا سميت عفوا بذات الرقاع. Ils ont plutôt divergé sur la raison pour laquelle on a appelé cette bataille Dhat al-Raqa'. La première parole, qui est l'avis de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, قالوا سميت ذات الرقاع لأن أقدام الصحابة رضي الله عنهم نقبت أي تعبت فلفت بالخرق وهو اختيار ابن كثير. Par rapport au sens du mot ذات الرقاع, ça fait référence à ce qui est de la fatigue ou de l'usure et tout ce qui entre dans ce registre. Et on a appelé cette bataille comme cela car à travers celle-ci les pieds des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont longuement marché et cheminé, se sont usés, épuisés et fatigués. Et ils ont donc été entourés, ils ont bandé leurs pieds, radiyallahu anhum. Ala kulli hal, le Cheikh Ibn Kathir, rahimahullah, dit que c'est l'avis le plus probable. Et c'est ce qu'a cité le Cheikh Abd al-Razzaq, waffaqahullah ta'ala. Ibn Kathir a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait passé un mois complet, c'est-à-dire juste après la bataille de Banu Nadir, après avoir été trahi par les Juifs, au cours de la prière de l'aube, c'est-à-dire Al-Fajr, à invoquer Allah contre ceux qui avaient assassiné ses compagnons au puits de Ma'ouna. Suite à ça, puis il décida de lancer une expédition contre le Najd, l'expédition dite Dhat al-Raqa'. Celui qui lit cette partie se dit que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette perte de ses 70 compagnons qui ont été tués quand ils ont été invités les gens à l'islam au Najd, a décidé de se venger en envoyant une armée au Najd. N'est-ce pas que c'est ce qui apparaît?
Si ce n'est que, en réalité, certains savants de la Sira ont cité à ce moment-là cette bataille ou cette expédition, car il n'y a pas eu de bataille concrète, ils ont cité à ce moment-là cette expédition, mais en fait il y a erreur de leur part, car au niveau de l'histoire, comme on va le voir inshallah, cette expédition a eu lieu après Khaybar, après Al-Khandaq, la bataille du fossé, que vous allez voir inshallah plus tard, et après la bataille de Khaybar, que vous allez voir inshallah ta'ala plus tard. C'est-à-dire que elle n'a pas eu lieu à ce moment-là, mais elle a eu lieu bien après. Et les savants ont donc divergé sur le moment où a eu lieu cette bataille. Et l'imam Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, qui est un élève de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et qui est connu pour ses livres dans l'histoire et dans le hadith, a dit qu'il est possible que cette bataille a eu lieu à deux reprises. Une fois à ce moment-là, c'est-à-dire après la bataille de Banu Nadir, et la deuxième fois après la bataille de Khaybar. Pourquoi est-ce qu'il a dit que cette bataille a eu lieu deux fois? Car les historiens, souvent, quand ils divergent sur la date où un événement a eu lieu et qu'il y a deux dates citées, ils disent cet événement a eu lieu deux fois. Cela afin de sortir de la divergence. Mais l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a réfuté cet avis et a dit que cette bataille ou cette expédition n'a eu lieu qu'une seule fois, et lui-même dans son livre Zad al-Ma'ad a cité cette bataille à ce même moment où l'a cité Ibn Kathir et d'autres historiens, mais il l'a cité une deuxième fois à travers la chronologie dans son livre au moment où elle a réellement eu lieu. Et il a dit qu'il n'a cité cette bataille au premier passage que parce que c'est ce qu'ont fait les savants de la Sira. Mais dès qu'il est arrivé au deuxième passage, il a expliqué qu'en vérité, la vraie date à laquelle a eu lieu cette bataille, c'est après la bataille d'Al-Khandaq, et après la, du fossé donc, que vous allez voir inshallah, et après la bataille de Khaybar. Pour résumer, Ibn Kathir a cité cette bataille ici, dans la date qu'il a citée, mais en fait, elle a eu lieu beaucoup plus loin. Elle a eu lieu beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce qu'il a cité à ce passage-là? Pour suivre la méthodologie des savants qui ont écrit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit au cours du mois de Jumad al-Oula de cette même année, la quatrième année de l'Hégire, il partit en campagne avec pour objectif Muharib et le clan des Bani Tha'laba ibn Sa'd ibn Ratafan. Donc le prophète alayhi salatu wassalam part en expédition militaire comme à son habitude. Après avoir désigné Abu Dharr al-Ghifari pour le remplacer à Médine. Car comme vous vous souvenez, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wasallam quitte la ville de Médine dans le but d'accomplir une expédition militaire, il laisse à Médine un compagnon qui a pour rôle de diriger les gens tout au long de l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela afin qu'il n'y ait pas le désordre. Il prit la route jusqu'à atteindre Nakhl. Nakhl, c'est un endroit, comme vous le voyez dans les annotations, où il rencontra des hommes de Ratafan, c'est le nom d'une tribu. Chacun des deux groupes resta sur ses positions, si bien qu'aucun combat ne fut engagé. Néanmoins, selon Ibn Ishaq, un grand historien, et d'autres biographes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci effectua ce jour-là la prière de la peur. Mais ce récit n'est pas sans poser problème. En effet, l'imam Shafi'i ainsi qu'Ahmad al-Nasa'i rapportent d'après Abu Sa'id
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de l'expédition de la tranchée, fut empêché par les polythéistes d'accomplir les prières du dhuhr, du asr, du maghrib et du isha, qu'il effectua finalement ensemble, et ce avant la révélation du verset prescrivant la prière de la peur. Ici, ce sont des arguments qui sont apportés dans le but de montrer qu'il y a une erreur dans la chronologie. Puisqu'ici, on dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a effectué la prière de la peur, alors qu'à cette époque-là, cette prière n'était pas encore révélée. Donc, ce n'est pas la bonne date. D'autres, en revanche, expliquent que le verset prescrivant la prière de la peur fut révélé à Usfan. C'est un endroit. Conformément à ce récit d'Abu Ayyash al-Zuraqi, qui dit « Alors que nous nous trouvions à Usfan, en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dirigea la prière du dhuhr. À la tête des polythéistes se trouvait ce jour-là Khalid ibn al-Walid. Les mécréants dirent alors « Nous avions là une bonne occasion de les attaquer par surprise. » Puis, ils ajoutèrent « Ils doivent accomplir, après celle-ci, une prière plus chère à leurs yeux que leur richesse et leur propre fils. » Fut alors révélé entre Dhuhr et l'Asr le verset prescrivant la prière de la peur. La prière de la peur, c'est une prière, que ce soit Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, mais elle est accomplie dans une situation différente, avec une manière différente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige cette prière, par exemple à Dhuhr. Et ils sont dans une situation de bataille, où il y a un risque que l'ennemi les attaque. Ils vont accomplir la prière d'une autre façon, dite la prière de la peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va diriger la prière en faisant 4 rak'ah. Un premier groupe de compagnons va venir prier derrière lui les 2 premières rak'ah. Pendant que le deuxième groupe monte la garde. Après ces 2 premières rak'ah, le premier groupe se lève et prend la place du deuxième groupe qui monte la garde. Le prophète se lève pour la 3e rak'ah et l'autre groupe vient. Ne gratte pas ta bouche avec le livre. Et l'autre groupe vient et prend la place du premier groupe pour terminer la 3e et la 4e rak'ah. Ce qui fait que le prophète a prié 4. Et chacun des 2 groupes a prié 2. Il y a aussi des autres façons de la faire qui sont citées dans les livres de jurisprudence. Et donc, par rapport au fait, ou par rapport à la date à laquelle a été légiférée la prière de la peur, on voit que ce n'est pas à cette date-là qu'a eu lieu l'expédition dite Dhat al-Raqa'a. Et pour résumer, dans cette expédition, il n'y a pas eu de combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait face aux ennemis. Ils se sont mis les uns en face des autres. Chacun a essayé de jeter l'effroi ou de terroriser celui qui est en face, sans pour autant qu'il n'y ait de combat. Ils se sont séparés sans que le sang ne coule et sans que le combat ne soit engagé. Donc ça, c'est le résumé de ce qui s'est passé dans cette bataille. Et donc, comme l'a dit le Cheikh Abdelrazzaq, hafizahullah ta'ala, l'épreuve apparente montre très clairement que cette expédition militaire a eu lieu en réalité bien après cette date qui nous est citée dans ce livre et d'autres livres de biographie. Et il dit que l'imam Ibn Kathir rahimahullah l'a cité à ce passage pour suivre la méthodologie des historiens. Mais qu'en vérité, cette bataille ou cette rencontre, car il n'y a pas eu de bataille, a eu lieu bien après. Et c'est ce qu'a choisi l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Et parmi ceux qui prouvent que cette bataille a eu lieu bien après,
comme l'a cité l'imam Ibn Kathir lui-même dans son livre Al-Bidaya al-Nihaya, un livre, un long, un très grand livre d'histoire, il dit que pendant la bataille du fossé, Abdullah ibn Umar, radiallahu anh, qui était jeune, il avait à peu près une quinzaine d'années, n'avait jamais le droit d'accompagner les compagnons pendant les batailles. Mais quand est venu le temps de la bataille du fossé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la permission. Lui a donné la permission de participer à partir de cette bataille, la bataille du fossé. Et comme Abdullah ibn Umar radiallahu anhu était présent à la bataille de Dhat al-Raqa' ou la rencontre, et qu'il n'a eu le droit de participer à une bataille qu'après la bataille du fossé, forcément cette bataille a eu lieu bien après. Vous comprenez? L'histoire a bien eu lieu, mais il y a divergence sur le moment où elle a eu lieu en réalité. Et le vrai moment, c'est après. Mais dans ce livre, elle est citée ici. Donc on l'a lu, on l'a expliqué, mais chronologiquement parlant, elle a eu lieu bien après. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a cité des arguments. Donc l'histoire est courte. L'histoire de cette bataille est courte. Et la plupart de ce qu'il dit par la suite, ce sont les arguments qu'il a cités pour montrer qu'elle a eu lieu après. Et vous avez compris pourquoi Ibn Kathir, rahimahullah, l'a cité à ce passage-là. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أهم إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم أي استعدوا لقتالهم اغتنموا هذه الفرصة هم يصلون تعالوا اقتلوهم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شاهداها. Ibn Kathir rahimahullah continue dans l'argumentation pour montrer que cette bataille n'a pas eu lieu à cette époque et dit: de même, Abu Huraira, radiyallahu anhu, relate ce qui suit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit le siège des polythéistes entre Vajnan et Usfan. Ces derniers se dirent entre eux: les musulmans doivent accomplir une prière qui compte plus pour eux que leurs enfants et leurs premiers-nés. Préparez-vous donc, puis jetez-vous sur eux comme un salam. Vint alors Jibril qui lui ordonna de séparer ses compagnons en deux groupes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé attaquer des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici on nous parle de l'époque où a été révélée la prière de la peur, cette façon d'accomplir cette prière lorsqu'on on a peur de l'attaque de l'ennemi alors que nous sommes en train de prier. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assiégé les associateurs entre deux endroits qui sont Vajnan et Usfan. Ces associateurs se sont dit entre eux: les musulmans doivent accomplir une prière qui compte plus pour eux que leurs enfants et leurs premiers-nés. Et ici, nous voyons combien est grande l'importance de la prière dans le cœur des compagnons. Avec le témoignage des ennemis d'Allah,
tabaraka wa ta'ala, qui disent que les musulmans doivent accomplir une prière qui compte plus pour eux que leurs enfants et leurs premiers-nés. Ils voient les musulmans, ils vivent avec eux, ils les voient chaque jour. Ils voient que pour rien au monde, ils n'abandonneraient cette prière. Et pour rien au monde, ils n'arrêteraient cette prière. Quand bien même le risque de la rencontre de l'ennemi ou de l'attaque de l'ennemi serait grand et élevé. Il faut absolument qu'ils prient. Et cela montre l'importance de la prière dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on trouve des gens qui, juste à cause du travail, délaissent les prières. Ils commencent par plusieurs étapes. Ils délaissent la prière pendant la journée, alors que peut-être il est capable de l'accomplir, mais à cause de la peur du regard de l'autre, il ne la prie pas. Il rentre chez lui le soir et picore comme le coq picore. Il prie rapidement et il se couche. Il va dormir. Vient la deuxième journée, le deuxième mois, la deuxième année, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils se disent que ça ne sert à rien d'accomplir les prières de toute façon en dehors du temps. Et alors, il abandonne les prières. Wal'iyadu billah. Un tel individu a vendu son dîn pour la dunya, sans le moindre doute. Un tel individu, sans le moindre doute, n'a pas eu confiance en Allah, Azza wa Jal. Et la prière pour rien au monde ne doit être sorti de son temps légal, légiféré. Allah Azza wa Jalla a dit: Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure prescrite pour les croyants à des temps bien déterminés. Il est formellement interdit aux musulmans de sortir de son temps la prière pour une excuse qui n'est pas valable religieusement, comme le voyage, comme la pluie, l'intempérie, la maladie. À part ça, pour le travail, il est interdit de sortir du temps de la prière. Il est formellement interdit, c'est un péché majeur. Et les musulmans doivent prendre conscience que quand ils reviendront à Allah, et ils placeront en lui leur confiance en se soumettant à ses ordres, Allah Azza wa Jal leur accordera une issue favorable et des dons sur lesquels ils ne comptaient pas. Allah Azza wa Jal a dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui accordera une issue favorable et des dons sur lesquels il ne comptait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Celui qui pour Allah abandonne quelque chose, Allah lui remplacera par quelque chose de meilleur. Comment est-ce qu'Allah va te délaisser alors que tu t'efforces de lui obéir et de te conformer à ses ordres? Subhanahu wa ta'ala. Mais le manque de foi, le manque de confiance, le manque de conviction fait que l'un d'entre nous faiblit, fléchit, retarde les prières, voire même abandonne les prières. Wal'iyadu billah. Voyons comment était maintenant la situation des compagnons. Ils risquent la mort. L'ennemi arrive, les mains remplies d'armes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient à l'heure. Ils prient en groupe. Subhanallah. Ils prient en groupe et à l'heure alors qu'ils risquent la mort. Et vous allez voir, dans pas longtemps, Inch'Allah, bien plus encore, avec l'histoire d'un compagnon, dans Dhat al-Raqa', dans cette expédition. Et donc, la prière a une grande importance. Et les koufars ont dit, les musulmans doivent accomplir une prière qui compte plus pour eux que leurs enfants et leurs premiers-nés. Préparez-vous donc, c'est-à-dire, attendez donc qu'ils prient cette prière. Et quand ils prient Salat al-Khawf, la prière de la peur, profitez-en et allez les attaquer. Djibril est venu, ou pardon, n'était pas encore légiféré la prière de la peur. Ils allaient prier. Et quand les ennemis ont voulu profiter du moment de leur prière pour les attaquer, Allah Azza wa Jalla a légiféré cette prière. Djibril est venu et lui a demandé de séparer les compagnons en deux groupes. Donc pour la prière de la peur. Ibn Kathir a dit: Or, nulle divergence à ce sujet,
L'expédition de Usman eut lieu après l'expédition de la tranchée. Ces choses dont nous avons parlé ont eu lieu après le Khandaq. Donc, on ne peut pas dire que cette bataille a eu lieu à ce moment-là. Par conséquent, l'expédition dite Dhat al-Raqa' eut lieu après elle, et même après l'expédition de Khaybar. À l'appui de ce que nous venons de dire, le fait que Abu Musa al-Ash'ari et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée, participèrent à Dhat al-Raqa'. S'agissant du premier, Amma Abu Musa al-Ash'ari, ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذلك. Quant à Abu Musa, d'après Abu Musa al-Ash'ari lui-même, qu'il prit part à Dhat al-Raqa', expédition au cours de laquelle les musulmans entourèrent leurs pieds, couverts de cloques, de morceaux de tissu. Donc ils ont bandé leurs pieds après une longue marche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette expédition fut appelée Dhat al-Raqa', l'expédition des morceaux de tissu. Donc vous voyez pourquoi elle a été appelée comme cela. Quant à Abu Huraira, Marwan ibn al-Hakam rapporte l'avoir interrogé en ces termes. « As-tu accompli la prière de la peur avec le messager d'Allah ?» Sallallahu alayhi wa sallam. « Oui, répondit-il. Quand cela » demanda-t-il. « Lors de l'expédition du Najd » répondit-il. Puis, il décrivit l'un des types de la prière de la peur. Ce récit est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et Nasa'i. « Wa amma Abu Huraira, fa'an Marwan ibn al-Hakam » أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، فواحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قلت أي ابن كثير إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. ابن كثير رحمه الله continue dans l'argumentation et ensuite il va citer des faits qui se sont produits à cette époque, à cette rencontre. Certains historiens expliquent quant à eux que l'expédition surnommée donc Dhat al-Raqa', l'expédition des morceaux de tissu, eut lieu plus d'une fois. Une fois avant l'expédition de la tranchée, ce serait donc celle dont nous sommes en train de parler, et l'autre après l'expédition de la tranchée. Et on a vu pourquoi est-ce que les savants ont dit que cette bataille a eu lieu deux fois, et qu'en réalité elle n'a eu lieu qu'une fois. Ibn Kathir dit néanmoins, si le hadith qui indique que cette prière ne fut prescrite qu'à Usfan est authentique, il n'est pas possible qu'il ait accompli la prière de la peur au cours de la première de ces deux expéditions. Il est dit que parmi les événements, وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَوَادِثِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ قِصَّةُ جَمَلِ جَابِرِ أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن. Maintenant, il va parler, rahimahullah, de certains faits qui se sont déroulés pendant cette expédition. Il dit, il est dit que parmi les événements survenus au cours de cette expédition figure la vente du chameau de Jabir, c'est-à-dire Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, le compagnon qui lui-même est le fils d'un compagnon, le compagnon étant toute personne
ayant rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ayant cru en lui et est morte sur cette foi au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Néanmoins, cela reste à prouver, car un hadith indique que cette transaction eut lieu lors de l'expédition de Tabouk. Avant même de continuer, donc ici Ibn Kathir rahimahullah dit qu'au cours de cette expédition a eu lieu l'histoire de la vente du chameau. Quelle est donc cette histoire? Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma possédait un chameau. Alors qu'ils étaient sur le chemin du retour pour regagner la ville de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Bi'ni, vends-moi ton chameau. Jabir radiyallahu anhu lui a dit: Bal hibatun ya Rasulallah. Jabir lui a dit: Oh messager d'Allah, je t'en fais cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté comme cadeau et s'est mis d'accord avec Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma pour acheter son chameau. Ils se sont mis d'accord sur un prix et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: garde le chameau, reste dessus, utilise-le jusqu'à arriver à Médine. C'est-à-dire qu'une fois arrivé à Médine, le prophète doit le récupérer. Une fois arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal: paye-lui, c'est-à-dire avec l'argent du prophète alayhi salatu wa sallam, paye-lui le chameau. Bilal va et paye le chameau. Jabir prend l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu as récupéré ton argent? Jabir lui dit oui. Le prophète alayhi salam dit: alors garde l'argent et garde le chameau. Donc en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu honorer son noble compagnon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Et ceci est donc l'histoire de la vente du chameau de Jabir radiyallahu an. Ibn Kathir dit que le moment où a eu lieu cette histoire, qui a été citée ici comme étant cette expédition de Dhat al-Raqa', reste encore à prouver. Pourquoi? Car dans un autre hadith, on indique que cette transaction, la vente, eut lieu lors de l'expédition de Tabouk. Et l'expédition de Tabouk a eu lieu bien longtemps après. Elle a eu lieu bien longtemps après. Effectivement, c'est l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui a rapporté la version où il est dit que la vente du chameau a eu lieu lors de la bataille de Tabouk. Si ce n'est qu'en réalité, comme l'a dit le Cheikh Abdel Razzaq, hafidhahullah, elle n'a pas eu lieu en cette bataille. Et la version qui est rapportée, où on dit que l'histoire de la vente du chameau a eu lieu dans cette bataille, ça demande à la concentration, n'est-ce pas? C'est fatigant. Hadha huwa talabul ilm. Voici l'étude de la science. Et si nous sommes fatigués, car on entend premier avis, deuxième avis, troisième avis, sachez que nous sommes en train de lire un résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le simple fait que tu sois là et que tu redoubles d'efforts pour te concentrer et essayer d'écouter, c'est une recherche de la science dont le mérite n'a pas d'équivalent. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Où est-ce que j'en étais? Non. Donc, et Bukhari rahimahullah a rapporté une version où cette transaction aurait eu lieu à la bataille de Tabouk. Si ce n'est qu'en fait elle n'a pas eu lieu à la bataille de Tabouk, ou bien du moins ça reste à prouver, car il y a pourtant cette vente avait plus sa place au cours de Dhat al-Raqa'. Pourquoi? Car le père de Jabir radiyallahu anhuma a été tué à Uhud. Vous vous souvenez de Jabir radiyallahu anhu qui a perdu son père et qui n'a pas pu assister à la bataille de Uhud puisqu'il devait garder la garde, devait se charger de la garde de ses sœurs, et à cause de ça il a épousé une femme
qui n'était pas vierge, une femme qui avait de l'expérience dans le mariage, elle était divorcée. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi n'as-tu pas épousé une femme vierge? Il lui a expliqué qu'il a agi ainsi car il cherchait une femme qui ait de l'expérience, qui puisse éduquer ses petites sœurs. Eh bien, Ibn Kathir dit que l'histoire de la vente du chameau a plus sa place en réalité dans cette rencontre de Dhat al-Raqa, car le père de Jabir radiallahu anhu a été tué à Uhud, laissant ses filles à la charge de Jabir qui avait besoin d'épouser rapidement une femme qui puisse prendre en charge ses sœurs. قال رحمه الله ومنها حديث جابر رضي الله عنه أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف لا يهريقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو ربيئة للمسلمين أي عينا حارسة تحرس المسلمين وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما فضرب أي الرجل ضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها أي من صلاته حتى سلم وكان الدم يسيل من الجراح وأنبه صاحبه أي بعد أن سلم نبه صاحبه فقال سبحان الله هل أنبهتني أي لماذا لم تخبرني قبل فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها الله أكبر. Ibn Kathir rahimahullah dit, au cours de l'expédition dite de Dhat al-Raqa' se déroula également cet épisode que relate Jabir. Les musulmans avaient capturé l'épouse d'un homme. Donc vous savez que quand il y a des batailles et qu'il y a victoire pour les musulmans, il y a ce qu'on appelle le butin. Entre dans les butins la capture des épouses. Les musulmans avaient capturé l'épouse d'un homme qui jura en représailles de faire couler le sang des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dit que cette femme était séduisante et lui il l'aimait, mais il n'a pas accepté d'adhérer à l'islam, alors que s'il adhérait à l'islam et elle aussi, l'affaire était réglée pour lui. Mais lui a décidé de rester en kafir, en ennemi d'Allah azza wa jalla, et a voulu se venger des compagnons. Or le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait désigné deux sentinelles, c'est-à-dire deux gardes qui se posaient à un poste bien précis, à un endroit bien précis, et qui surveillaient l'éventuelle arrivée d'un ennemi, qui sont Abbad ibn Bishr et Ammar ibn Yasir, chargés de protéger les musulmans d'éventuelles attaques ennemies. Et donc ils se relayaient à tour de rôle la garde durant la nuit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette nuit? Quant à Abbad ibn Bishr, il priait. Il passait cette nuit à prier. L'homme s'approcha de nuit et décocha une flèche sur Abbad ibn Bishr qui était debout en prière. Il a réussi à sortir une flèche et à viser le compagnon qui devait porter la garde des autres. Qu'est-ce que ce compagnon a fait? Celui-ci retira la flèche sans mettre un terme à sa prière. Donc ça lui fit une première blessure. Il arrache la flèche et il continue à prier. Il reçut ainsi trois flèches, mais ne bougeant pas avant d'avoir terminé sa prière. Condamnant son attitude, car juste après la prière, il a averti son compagnon qu'il est blessé et qu'il saigne. Le compagnon est venu et l'a condamné et lui a dit « Subhanallah ». Si seulement tu m'avais alerté, il répondit, j'étais en train de réciter une sourate que je ne voulais surtout pas interrompre. Qu'est-ce qu'on va dire à tous ces gens-là qui disent l'imam a prié trop longtemps, parce qu'il a prié Sabbihisma Rabbika al-A'la, ou parce qu'il a prié Idha zulzilatil ardu zilzalaha, ou parce qu'il a prié Amma yatasa'alun,
Et lui, le compagnon, il se prend des flèches les unes après les autres, qui lui font des blessures, qui lui font couler son sang. En pleine prière, il arrache les flèches et il continue sa prière. Et dans certaines versions du hadith, la sourate qu'il récitait, sourate Al-Kahf. Al-Kahf. Et cette sourate, elle fait 11 pages et demie. Ou 11 pages. Donc elle fait presque plus d'un hizb. Et il est là en train de prier, il se prend des flèches, il saigne, il continue sa prière. La différence entre eux et nous, ce sont les cœurs. Eux avaient les cœurs et nous n'avons plus les cœurs, malheureusement. طيب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومنها حديث نعم ومنها حديث غورث ابن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة قائل من القيلولة أي يستريح عليه الصلاة والسلام قائل تحت الشجرة فاستل سيفه فأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه فأخبرهم عنه وبما هم به غورث من قتله ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. Parmi les autres événements qui se sont produits lors de cette expédition, la tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela, au retour de cette expédition, les compagnons se sont arrêtés dans un endroit, ils ont fait halte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont séparés. Chacun est parti trouver un coin pour se reposer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté dans un endroit sous un arbre, sous l'ombre d'un arbre et a fait une sieste. En train de faire une sieste sous un arbre, par Ghawrath ibn al-Harith, celui qui a tenté de l'assassiner. Ce dernier, profitant de son sommeil, avait tiré de son fourneau le sabre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et s'apprêtait à lui asséner un coup. Il vient et il voit son ennemi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, allongé, couché au pied d'un arbre, sur lequel est accrochée son épée. Il se dit, l'occasion se présente, il prend l'épée et il pense qu'il va réussir à faire peur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah paralysa sa main. Allahu Akbar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réveilla alors et appela ses compagnons qui se rassemblèrent autour de lui. Il leur rejeta alors la scène et les intentions meurtrières. Il leur relata alors la scène et les intentions meurtrières de Ghawrath, qui fut malgré cela libéré, bénéficiant du pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع إلا أنها التي بعد الخندق بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة أي فيها الظل تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ السيف فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني قال لا قال فمن يمنعك مني أي من يحفظك مني قال الله قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وهذه هي صلاة الخوف واللفظ لمسلم. ابن كثير رحمه الله تعالى dit: cet événement eut lieu lors de l'expédition dite ذات الرقاع, celle lancée après l'expédition de la tranchée, comme l'indique ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version.
dans la recueil authentique selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui relate ce qui suit. Nous participions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'expédition surnommée Dhat al-Raqa. Nous trouvâmes un arbre donnant de l'ombre que nous laissâmes comme à l'accoutumée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Soudain, un polythéiste surgit et tira de son fourreau le sabre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui était accroché à l'arbre. Il brandit le sabre et dit au messager d'Allah: as-tu peur de moi? Non, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors: qui donc te protégera de moi? Le messager sallallahu alayhi wa sallam répondit: Allah. Sous la menace des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, il remit le sabre dans son fourreau et le raccrocha à l'arbre. Fut alors lancé l'appel à la prière et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam effectua 2 raka'a devant un groupe de musulmans tandis que le second montait la garde. Puis le premier groupe s'écarta, laissant la place au second devant lequel il effectua 2 autres raka'a. Ce jour-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria donc 4 raka'a et le reste des musulmans 2. C'est donc la prière de la peur. Il y a une autre version où l'homme arrive et voit le prophète dormir sallallahu alayhi wa sallam. Il voit son épée sur la branche de l'arbre. Il se dit: l'occasion parfaite. Il prend l'épée. Le prophète se réveille sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: qui va te protéger contre moi maintenant? Le prophète alayhi sallam lui répond avec la ferme conviction: Allah, sans la moindre peur. La puissance de cette parole a fait que la main de l'homme est devenue lourde d'un coup, et l'épée est devenue très lourde dans sa main au point où elle est tombée au sol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, a ramassé l'épée et lui a dit: qui va te protéger de moi maintenant? Et l'homme, pour se protéger du prophète alayhi salatu wa sallam, a fait ses éloges en lui disant: je sais que de toute façon tu es juste, tu es quelqu'un de bien, etc. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas important pour lui de risquer sa vie, ce n'est pas important qu'on porte atteinte à sa personne. Lui, il veut prêcher Allah, c'est tout ce qu'il veut. L'un d'entre nous se serait vengé immédiatement, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: atashhadu an la ilaha illallah? Attestes-tu que nulle autre divinité qu'Allah n'a le droit à l'adoration? Il dit: là. L'homme lui répond: là. Walakin u'ahiduka, mais je m'engage avec toi à ne pas te combattre et à n'aider personne à vous combattre. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: alors va-t'en. Et quand il est retourné vers son peuple, il a vanté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son comportement. Qu'est-ce qu'on peut tirer dans ce passage-là? On tire dans ce passage-là que le but du croyant, c'est de revenir à Allah azza wa jal et d'appeler les gens à revenir à Allah azza wa jal. On a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne s'est pas vengé. Il se lève et il dit: adore Allah, soumets-toi à Allah, suis l'islam. Ce n'est pas important, tu as voulu me tuer ou tu n'as pas voulu me tuer, de toute manière, je ne vais pas éviter ce qu'Allah m'a écrit. Et je ne vais pas éviter ce qu'Allah Azza wa Jal m'a décrété. Mais ce qui est important pour moi, c'est que tu suives le haqq. Et ça, c'est la manière que doit avoir le prêcheur de prêcher. Son but ne doit pas être la satisfaction de sa personne, mais doit être que les gens se conforment aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils ont accompli la prière de la peur. Et ainsi se termine ce chapitre. Qala rahimahullah ta'ala faslun. Wa qad kana Abu Sufyan yawma Uhudin 'inda munsarafihi ay 'inda man sarafa ba'da al-hazima min ghazwati Badr. نادى أي رفع صوته قائلا: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم.
قال لهم قولوا له نعم تريدون أن نتقاتل في العام المقبل نعم نحن موجودون فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أتى بدرا للموعد واستخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي فأقام هناك 8 ليال ثم رجع ولم يلقى كيدا وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد ابن كثير رحمه الله تعالى passe à un autre chapitre concernant à la troisième expédition de Badr. Il y a 3 expéditions de Badr. La première, c'est celle qui avait pour but de rattraper l'homme, Kurz, qui est venu à Médine et qui a volé du bétail. Ils n'ont pas réussi à le rattraper. Après, il s'est converti à l'islam. La deuxième, c'est Badr que vous avez tous connu. Et la troisième rencontre de Badr, c'est celle-ci dont nous allons parler, Inch'Allah. À Uhud, Abu Sufyan avait quitté le champ de la bataille en s'écriant en direction des musulmans. Rendez-vous à Badr l'année prochaine. Donc, à la bataille de Uhud, quand Sufyan, Abu Sufyan est parti avec les ennemis, il s'est retourné et il a crié: je vous donne rendez-vous l'année prochaine. La bataille de Uhud a eu lieu en l'an, en quelle année? En l'an 3 de l'Hégire. À quel mois? Hein? Il me répond apeuré. Hein? Au mois de Shawwal. Quel jour? Yom Sept. Et c'est important de retenir les dates des batailles. La bataille de Shawwal a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire, un samedi au mois de Shawwal. Et donc, suite à cette bataille, Abu Sufyan n'a pas réussi à arriver à ses fins. Il voulait éliminer les croyants. Il leur a dit rendez-vous l'année prochaine à Badr. Donc à quelle année? En l'an 4 de l'Hégire. Le prophète alayhi salat wa salam avait alors ordonné à certains de ses compagnons d'accepter son défi. Il leur a dit dites-lui oui. Et ils lui ont dit oui. Aussi au mois de Sha'ban de cette année, l'an 4, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay, pour le remplacer, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit à Badr au rendez-vous pris. Le prophète donne une parole, il la respecte, en désignant Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay pour le remplacer à Médine. Après 8 jours d'attente à Badr, le prophète alayhi wa sallam a tenu son engagement. Et d'ailleurs, il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, avec 1500 combattants et 50 chevaux. Et les koufars de Mecca ont pris la route vers Badr avec 2000 combattants et 50 chevaux. Mais en cours de route, ils ont fait demi-tour. En fait, ils avaient peur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Le prophète est arrivé, après 8 jours d'attente à Badr, il retourna à Médine sans avoir rencontré l'ennemi. En effet, si Abu Sufyan avait bel et bien quitté la Mecque à la tête de Quraysh, ils étaient 2000 avec 50 cavaliers, sur le chemin les polythéistes décidèrent de revenir sur leurs pas en raison de la disette dont ils souffraient. C'est la sécheresse, n'est-ce pas ? Ils étaient dans une année de sécheresse et ils se sont dit: il ne faut pas qu'on aille maintenant. Le moment n'est pas propice. Mieux vaut attendre la pluie, la poussée, la verdure, car si on va à ce moment-là et on perd, on n'a plus rien. Ni bétail, ni plus rien. Donc ils ont fait demi-tour. Vous savez comment ils ont été surnommés après quand ils sont rentrés à la Mecque ? Car quand ils sont partis pour combattre les musulmans à Badr, ils ont apporté avec eux Sawir,
la farine pétrie avec laquelle ils font le pain pour manger, dans le but de manger tout au long de leur séjour. Et quand ils sont revenus et qu'ils n'ont pas combattu les musulmans, les kuffars de Mecca ont dit à ceux qui étaient partis, « Hadhihi al-ghazwa, ghazwat sawiq, antum ahl sawiq, dhahabtum wa akaltum as-sawiq wa raja'tum, ma sana'tum shay'an. » Ils ont dit, « Qu'est-ce que c'est que cette expédition que vous venez de faire ? C'est l'expédition de la farine. Vous avez été dans un endroit, vous êtes arrêté, vous avez mangé toute la farine et vous êtes revenu. » Histoire de leur dire, vous êtes des lâches, vous n'avez rien fait et ça ne sert à rien. Et donc, ils se sont moqués de leur propre peuple. Ibn Kathir a dit, cette expédition a surnommé la troisième expédition de Badr ou le rendez-vous de Badr. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend samedi prochain, Inch'Allah. Allahu alam, sallallahu wa sallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Concernant le dernier cours, j'ai fait une erreur dans laquelle j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis Khalid ibn al-Walid à un côté dans la bataille de Uhud, et vous auriez dû me corriger car vous avez assisté au dars sur la bataille de Uhud. Et vous saviez que pendant la bataille de Uhud, Khalid ibn al-Walid n'était pas musulman. C'était un autre compagnon dont je voulais parler, mais j'ai fait erreur. Et personne ne m'a corrigé. Allahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.